Pour le retour de Mask Singer, troisième saison, la semaine dernière, le Bernard l'Ermite et le Poisson Corail ont été démasqués. Le premier personnage qui a chanté costumé était le nageur olympique Alain Bernard, le second, la navigatrice Maud Fontenoy. Dès le début de la soirée, TF1 a promis, ce vendredi 8 avril, la présence d'une star internationale dans l'émission, mais hors compétition. Elle a chanté grimée en coccinelle. Pour aider les membres du jury, plusieurs indices ont été diffusés dans un reportage vidéo. Une musique de tango, du jardinage, le chiffre 8, une cuisine, le listing de quelques-uns de ses rôles au cinéma, une confession selon laquelle ces stars avaient connu le succès en solo, en duo et en bande, et enfin, dernier indice, un Golden Globe. La coccinelle a chanté Feeling Good de Cy Grant. Quand le personnage a ôté son costume, les téléspectateurs ont pu découvrir Terry Hatcher, qui a joué dans les séries Desperate Housewives, Lois et Clark, ou bien dans James Bond. Parmi les personnages qui ont également chanté vendredi soir, il y a eu une tigresse, un arbre, un cochon, une banane, un cosmonaute, un cerf, un crocodile, un papillon ou un caméléon. La personnalité qui a dû se démasquer était déguisée en tigresse. Elle avait interprété « Tu m'oublieras » de La Russo. Une fois son costume enlevé, le public a pu découvrir l'imitateur Marc-Antoine Lebret, qui intervient chaque jour sur RFM ou aux côtés de Laurent Ruquier. De nombreuses personnalités restent encore à identifier, ceci dès la semaine prochaine, dans le prochain numéro de Mask Singer.